Je suis élu depuis 17 ans et j'ai voulu, depuis toute cette période-là, que les Français de l'étranger soient bien représentés. Cette représentation, jusqu'alors, elle était basée sur les sénateurs et sur des élus de mon type, c'est-à-dire des élus locaux. Elle était bancale dans la mesure où nous n'avions pas de représentation à l'Assemblée nationale. Et je suis bien placé pour savoir que dans beaucoup de cas, ça fait défaut. C'est-à-dire que des textes qui auraient dû passer pour les Français de l'étranger ne sont pas passés à cause du fait que la représentation à l'Assemblée nationale n'était pas ce qu'elle aurait dû être. J'aurais considéré, comme ne faisant pas mon devoir, de laisser... sans rien faire, sans rien dire, y compris en donnant de moi-même, c'est-à-dire en me présentant avec tous les efforts que ça comporte, en ne me présentant pas à cette première élection. Monsieur Lefebvre a été tardivement, très tardivement, puisqu'en fait il n'a pu être, pour ces raisons techniques, investi par l'UMP que le 28 janvier 2012, c'est-à-dire très très tard, beaucoup plus tard que n'importe qui, et n'importe quel investi d'un grand parti politique. Et donc à ce niveau-là, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que ça a créé beaucoup de vocations dans la mesure où M. Lefebvre était perçu comme un candidat ne répondant pas aux critères que j'énonçais. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un ancien ministre, c'est un monsieur qui a succédé à André Santini. Donc il a une expérience directe du parlementaire. Il a été, je crois, député en remplacement de M. Santini pendant 2 ans. Il a effectivement été ministre, donc il a les galons qui vont bien, mais il en manque un, c'est-à-dire... Il n'a pas d'expérience de l'expatriation, il n'a pas d'expérience ni de l'expatriation hors d'Amérique du Nord, ni dans l'Amérique du Nord. Moi, je fais une campagne non seulement de député, mais pratiquement de conseiller régional, de conseiller général. Moi, je fais campagne sur des thèmes locaux, des thèmes... je suis un élu local depuis un certain nombre d'années. Est-ce que vous ne vous trompez pas d'élection? Ah, peut-être, oui. Peut-être. Et alors, ce que je veux dire, c'est que justement... C'est pas le but, c'est pas le rôle d'un député. C'est pas le rôle d'un député, mais c'est aussi le rôle d'un député. C'est-à-dire que le député se doit constitutionnellement de représenter la nation, c'est-à-dire d'avoir des opinions sur les problèmes nationaux, de participer au débat national, d'être au courant des choses, d'avoir des idées novatrices sur l'ensemble des choses, le débat national. Et je disais au tout début de l'entretien que, en plus, cette élection... locale Amérique du Nord est une élection sur laquelle la différence entre un Français de France et un Français expatrié n'importe où et en particulier en Amérique du Nord est telle que ça serait un gâchis d'avoir que le député qui, bien que participant au débat national, ne s'occupe pas de façon intense et utilise le principal de son temps à voir justement tout le chantier qui existe sur les problèmes locaux, pas seulement locaux, les problèmes d'expatriation d'abord, et puis ensuite locaux en Amérique du Nord, etc. Donc je pense que je peux me tromper d'élection, et puis c'est un petit peu l'idée générale, c'est de dire cette élection, c'est une élection nationale, mais donnons-lui l'impulsion pour cette élection et puis les suivantes, que les problèmes d'expatriation, il faut les connaître et qu'ils comptent beaucoup. Alors maintenant, ça n'est pas effectivement, vous avez dit constitutionnellement, vous avez raison, c'est-à-dire qu'un député représente la nation. Donc il y a cet équilibre à faire et mon côté de déséquilibre à moi est plus dans le sens de représenter plus localement les gens. Si on prend le problème le plus important d'un point de vue financier, qui est celui de l'éducation, on a beaucoup argumenté, prise en charge, etc. La chose est toute simple si on regarde simplement le fait que les priorités de l'État, les missions de l'État, sont, et j'entends l'État au sens large, l'État est chargé de la défense, il est chargé de la sécurité, on paye des pompiers, on paye l'ensemble des choses, et l'éducation nationale est parmi les missions principales de l'État. Donc cette fonction d'éducation nationale, c'est une mission que remplit l'État vis-à-vis de ces jeunes citoyens, des citoyens mineurs pour la plupart, qui sont des élèves. Donc ça, ce que je voudrais voir, c'est ce fait que l'État, beaucoup de pays n'ont pas autant que la France, pour des raisons historiques, ça a commencé en 1921, un réseau à l'étranger qui soit capable de commencer à assumer cette fonction-là. Donc ça, c'est la partie, j'allais dire pratiquement une priorité nationale, indépendamment de l'endroit ou des gens qui règlent la note.
C'est-à-dire, on me dit, on peut dire, on a avancé 36 fois, que les Français expatriés ne payent pas d'impôts, ce qui est complètement faux. Ils payent les impôts qu'ils doivent payer, là où ils doivent les payer, c'est-à-dire que si vous êtes fiscalisé aux États-Unis sur vos revenus, la plupart de vos revenus, il y a une certaine compensation avec les gens qui sont fiscalisés, les Américains qui sont fiscalisés en France. Ma position, elle est toute simple, c'est-à-dire que dans la droite ligne de ce que je viens de vous exposer, moi j'ai une solution. J'ai une solution qui est que la perspective change et qu'on donne à l'éducation nationale et non plus aux affaires étrangères la responsabilité primaire de l'éducation des jeunes Français expatriés. Le ministère des Affaires étrangères est le ministère le plus pauvre de la nation. Et le pauvre, j'entends qu'il y a le budget le plus petit, l'éducation nationale, et celle est le ministère qui a le budget le plus élevé parce que la mission est la plus importante. Donc je voudrais qu'on sache raison garder et qu'on transfère la responsabilité primaire budgétaire de l'éducation des jeunes Français à l'étranger à l'éducation nationale. Ce faisant, eh ben, on se trouverait là, à ce moment-là, devant l'évidence la plus absolue, qui est que si les élèves français à l'étranger doivent être éduqués, c'est par l'éducation nationale. Et la seule différence, qui est relativement petite, c'est qu'à l'étranger, nous n'avons pas un réseau d'établissements publics. Nous avons donc l'obligation de passer par des établissements privés, mais ça n'est pas un choix. Contrairement à ce qui se passe en France, si vous choisissez d'éduquer vos élèves dans un établissement privé, vous payez parce que vous avez à côté un établissement public. Et si vous... Ça coûte très cher, je dirais. Ça coûte extrêmement cher, oui, bien sûr. Mais ça coûte cher l'éducation de Jules Ferry, publique, gratuite, laïque, obligatoire. C'est quelque chose qui est fondamental à la République.